Merci beaucoup, ça me Merci fait très plaisir. plaisir. Le rôle de l'État, fondamentalement, c'est d'être là pour corriger les défaillances de marché. Donc On voit souvent l'État et le marché comme étant des substituts, mais l'État et le marché sont des compléments. Le marché a besoin d'État, souvent, pour bien fonctionner. Et l'État a besoin d'incitation, bien sûr. quelle foi la forme dans laquelle vous décidiste d'étudier économie et avancer dans le campo de l'économique J'étais ingénieur en fait. Ma formation était des mathématiques. J'aimais bien quand j'étais au lycée la philosophie, les sciences sociales en général, la psychologie. Mais je ne connaissais pas d'économie. J'ai pris mon premier cours d'économie quand j'avais 21 ans, 22 ans. Et j'ai découvert un peu ce mélange entre rigueur quantitative et puis l'aspect humain des sciences humaines et sociales. Et ça m'a tout de suite plu. Et j'ai été faire un, un doctorat aux États-Unis, au MIT, à, à ce moment-là. Mais toi, comment ça s'est passé bueno, eh, de d'une manière similar, avec l'attraction entre le quantitatif et le humanistique. Eh, Nous venons d'une formation de, de bâtiment de bachillerato. Y, Teníamos una carrera de licenciatura en economía y eso me llevó esencialmente a estudiar ahí. Después eh, fui a hacer el doctorado a Oxford y volví de regreso a Buenos Aires, a la, a la Argentina. Y eh, tú llegaste al Premio Nobel, lo más alto que un científico puede aspirar, un economista científico puede aspirar. Y ahora, después del Premio Nobel, ¿qué pasó? ¿Qué, ¿Cómo cambió tu vida en términos de... Tous activités, dar classe, dando classe. Ça a été un grand plaisir, mais aussi une responsabilité. Euh, évidemment, il ne faut pas souffrir du syndrome Nobel, ce que j'appelle le syndrome Nobel, parce que on croit, les gens croient que vous savez tout quand vous avez le prix Nobel. Et en fait, on ne sait que certaines choses dans son domaine. Mais on est questionné sur absolument toutes les questions. Mais ça m'a fait prendre conscience de ma responsabilité d'une certaine manière, parce qu'avant le prix Nobel, je faisais marcher j'enseignais et je parlais aussi aux experts aux experts dans les entreprises aux experts dans, dans le gouvernement donc je communiquais mais jamais euh, à, un, à un public plus large et quand j'ai eu le prix nobel j'ai rencontré beaucoup de gens y compris dans la rue qui m'ont arrêté et qui m'ont dit mais on voudrait savoir à quoi sert la science économique, euh, et puis est-ce qu'on peut lire des choses de vous qui soient lisibles Parce que tout ce que j'ai écrit jusqu'ici euh, est assez technique. Même euh, au Conseil des économiques, dans, dans, des, dans des groupements d'experts, j'ai tendance à écrire des choses relativement techniques, même sans maths. Et donc. Euh, ça m'a fait prendre conscience de mon devoir, mon devoir d'économiste, en fait, d'interagir de, de, avec, euh, avec un public plus large, puisque finalement la démocratie, c'est pas seulement les experts, mais c'est aussi très important que les gens s'approprient l'économie. Et donc euh, l'économie est à la portée de tout le monde, c'est passionnant, mais pour ça il faut qu'ils aient les bases et il faut finalement communiquer, ce que nous, évidemment, économistes, ne faisons pas toujours. sobre la visión tuya de la profesión económica hoy en día, la economía eh, en un sentido amplio como una ciencia, incluyendo aspectos eh, positivos y normativos, ¿dónde estamos? ¿Y, ¿Y qué ha estado pasando en términos de nosotros, los economistas, moviéndonos a cuestiones más eh, tal vez empíricas, vinculadas con cuestiones teóricas? Fernando, effectivement, la science économique est divisée en deux. Elle cherche à prédire des comportements et à décrire des comportements, que ce soit des comportements d'individus, de groupes, de sociétés, de pays, mais aussi elle a un aspect normatif, c'est-à-dire qu'elle essaie de rendre le monde meilleur, construisant des politiques publiques et donc en ayant un cadre qui permette de construire ces politiques publiques. Elle a beaucoup évolué dans les dernières années, dans les 30 dernières années, d'une part dans une dimension empirique, c'est-à-dire qu'avant elle était très théorique, elle est toujours très théorique bien sûr, mais de, de plus en plus on voit beaucoup d'économétrie, c'est-à-dire de, de la statistique qui est appliquée euh, à l'économie, alors aujourd'hui sous la forme de, de big data par exemple, mais, mais plus généralement de l'économétrie, et puis aussi beaucoup d'expérience, c'est-à-dire qu'on fait beaucoup d'expériences sur le terrain en laboratoire pour essayer de valider les comportements, voir si les comportements qu'on présume dans nos théories sont effectivement les comportements qui sont adoptés. Parce qu'après tout, nous sommes des humains et nous ne sommes pas des machines. Donc nous avons ce côté humain chez nous qui est très important. Et donc il faut bien prédire les comportements. Donc le côté empirique est devenu de plus en plus important. Et aussi le côté pluridisciplinaire, puisque aujourd'hui les économistes travaillent beaucoup avec des psychologues, avec des sociologues, des politologues, des anthropologues, des historiens. Et en fait, nous à Toulouse, on, avait des, on a construit un institut pluridisciplinaire il y a six ans qui cherche à mettre ensemble toutes ces disciplines. C'est pas toujours facile parce que nous avons différents langages, différentes techniques, mais nous avons beaucoup à apprendre les uns des autres. Et je pense que souvent les gens ne réalisent pas. Que l'économie a beaucoup changé. Euh, elle a toujours été au service du bien commun, en théorie au moins, mais aussi elle, elle est devenue beaucoup plus empirique et beaucoup plus interdisciplinaire, alors qu'elle était très fermée auparavant. Muy intéressant ce débat. La, la eh, búsqueda eh, de los économistes pour le bien commun, eh, qui apparaît en ton eh, nouveau livre, et qui nous guiait à questions. Eh, de políticas en general. Eh, normalmente eh, se tiende a pensar en, en, los, en los economistas como preocupados por mecanismos puntuales, el mercado o ciertos instrumentos, pero se pierde de vista la idea general de bienestar, de welfare, de, 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 de bienestar común que los economistas tenemos. Tú en el libro usas el concepto del, del velo de la ignorancia, que viene del filósofo del Rawls y, y mucho más atrás, antes. Eh, ¿Podrías decirnos un poco cómo, cómo ves eso en términos de la importancia que tiene para situarnos en el, en el debate? Sí, oui, economía del bien común es una ambición, es rendre este mundo meilleur Pero para definir una función objetiva, un objetivo para nuestra sociedad, Il faut aussi essayer de comprendre comment faire. Nous avons tous des, des positions différentes dans la société, des informations différentes sur ce que pourrait être ce, cette société. Et donc, il faut essayer de, de se mettre d'accord sur un critère. Et il y a une longue tradition philosophique qui date de l'Angleterre au XVIIe siècle, du continent européen au XVIIIe siècle, ou Rawls et Arsani aux États-Unis au XXe siècle. Qui regarde le, le voile d'ignorance. Alors qu'est-ce que c'est que le voile d'ignorance C'est simplement supposons que nous soyons pas encore nés, donc nous ne savons pas qu que, si nous allons être un homme, une femme, si nous allons être en bonne santé, avoir les bons gènes, si nos parents euh, seront riches ou pauvres, instruits ou moins instruits, si nous sommes argentins ou français, euh, quelles seront nos orientations sexuelles, notre, euh, quel sera notre voisinage, notre ethnicité, notre religion. Et on se pose la question dans quelle société voudrions-nous vivre On voudrait vivre dans une société qui, évidemment, soit euh, remarquable d'un point de vue sociétal. Et évidemment, ce n'est pas que, que le, le PNB qui compte, c'est beaucoup d'autres choses. Mais il faut construire cette société. Mais il faut la construire de façon réaliste. Donc il faut être réaliste à la fois sur les comportements des individus. On se souvient, par exemple, du mythe de l'homme nouveau. Le mythe de l'homme nouveau. En, en Union soviétique, c'était présumé que si on changeait les mentalités, tout, la, tout allait aller mieux. Donc des gens très très dévoués à la société, travaillant dur, étant euh, altruistes, euh, étant prêts à jouer en équipe. Et, mais malheureusement, cet homme nouveau n'était pas là. Ce n'était pas le comportement des individus. Et ça explique la dérive vers l'état totalitaire qu'on a connu, la catastrophe économique, écologique, culturelle et autres. Euh, ça explique effectivement parce qu'on n'avait pas compris que les gens réagissent à leurs incitations. Ces incitations, tout le monde, que ce soit de l'homme politique. Euh, aux chefs d'entreprise, euh, aux chômeurs ou aux professeurs d'économie. Donc, on, nous réagissons tous à nos incitations. Et donc, euh, il est vrai qu'il faut faire attention. Et il faut faire attention aussi à l'organisation de la société, puisqu'on voit très bien que les gouvernements aussi, euh, comme les marchés, sont défaillants très souvent, simplement parce que, de nouveau, les gouvernants réagissent aux incitations. Mais il faut, il faut réfléchir derrière, derrière le voile de l'ignorance. Et ça a beaucoup d'implications. Par exemple, la santé. On voudrait, derrière le voile de l'ignorance, être assuré contre le risque de santé. Si on va avoir un cancer, ne pas avoir à payer des primes d'assurance trop élevées. Donc il faut éviter la sélection des risques. Et pour ça, ça vient très naturellement, derrière le voile de l'ignorance, ce qui n'existerait pas autrement. Parce qu'une fois qu'on a sa place dans la société... Si je suis en bonne santé, évidemment, je veux avoir les meilleures primes d'assurance possibles et puis ne pas payer pour les autres. Mais derrière le voile d'ignorance, c'est totalement différent. Quelle est votre vision sur les institutions économiques du capitalisme eh, La forme. Eh, rivalizadora o dicotómica, con la cual eh, muchas veces el... nosotros enfrentamos el debate eh, muy pasional eh, o político que, que, que ocurre acá y en otras partes del mundo, es eh, confrontar el Estado contra el mercado. Eh, tú en, en la presentación tuya del Premio Nobel has este, eh, enfatizado las cuestiones de fallas de mercado. Pero la, el balance entre, entre, entre mercado y Estado debe ser visto desde una perspectiva amplia, tal vez como la que estábamos hablando recién. Eh, ¿qué, ¿Qué instituciones del capitalismo tú piensas que son preservables o, o que tienen que seguir funcionando bien ¿Y, a qué, y cuáles son otras que necesitarían reforma? O sea, algún tipo de reforma de las instituciones tal vez financieras del capitalismo financiero, tal vez de otros mercados en particular. Digo esto porque, porque el tema institucional en general siempre ha sido un problema para nosotros. Eh, se ha visto a las instituciones económicas del capitalismo como, como de alguna manera impuestas, eh, Washington Consensus, imagínate, o alguna otra variante de ese tipo. Eh, y no se ha reflexionado sobre la importancia de en cierta medida de tener instituciones para hacer funcionar ciertas cosas. un banco central que funcione bien, defensa de la competencia, una comisión de defensa de la competencia, entes reguladores. Cuando hablamos de instituciones hay a veces áreas en donde es más fácil transmitir una idea de, de instituciones para el bien común, que dans d'autres cas, eh, que quand on parle probablement d'institutions financières ou de d'un autre type de questions qui ont été ou en doute dans la forme dans laquelle le capitalisme s'est managé dans les dernières années. Alors il y a une espèce de paradoxe euh, dans nos pays, puisque maintenant pratiquement tous les pays du monde, euh, sauf peut-être la Corée du Nord, finalement, sont dans une économie de marché, vivent à partir d'une économie de marché. Et en même temps, on voit très bien que le marché n'a pas conquis ni les cœurs ni les esprits. Euh, et d'ailleurs, nous vivons dans des pays, l'Argentine et la France, qui sont sans doute les pays où il y a le plus de doutes sur l'économie de marché. Il y avait une étude il y a quelques douzaines d'années sur les, les perceptions des gens vis-à-vis -vis de, du marché. Alors évidemment, la perception était très favorable dans des pays comme les États-Unis ou la Chine ou l'Allemagne. Mais par contre, l'Argentine et la France étaient en dernier avec la Russie. Euh, sur la confiance dans le marché pour, avenir, pour, pour fournir un avenir à notre société. Euh, donc il faut se poser la question, pourquoi c'est comme ça Alors tout d'abord, les économistes ne sont pas amoureux du marché en, en soi-même, puisque le marché n'est qu'un instrument. Euh, le marché n'est pas là pour... ce n'est pas un but en soi. Et euh, le marché a des tas de défaillances. C'est-à-dire que le marché est un outil d'efficacité. On voit très bien qu'il y a une certaine intégrité dans le marché. La concurrence permet d'avoir des biens à des, à des prix plus faibles, d'avoir de l'innovation. Mais en même temps, le marché peut être défaillant. Donc il y a beaucoup d'exemples. Il y a l'exemple de, de l'environnement avec le climat, euh, la, la pollution plus généralement. C'est-à-dire que quand des gens polluent, ben, ils ne tiennent pas en compte euh, l'impact sur les autres. Il y a ce que les économistes appellent les internalités. Les internalités, c'est simplement quand on se fait du mal à soi-même plutôt que de faire du mal à d'autres personnes. Donc par exemple, on, on procrastine, on fume trop, on boit trop, on regarde trop la télé, on épargne trop peu, on prend des drogues. Donc ça, c'est des, des choses où finalement, plutôt que de euh, faire du mal aux autres, on fait du mal à soi-même. Et, et d'ailleurs, pas mal de régulations viennent de ça. Il y a les problèmes d'information. Quand nous mettons notre argent à la banque. Ou quand nous prenons une police d'assurance, nous ne serons, nous savons pas si finalement, notre, nous allons retrouver notre argent. Euh, et pour le cas de la police d'assurance, si on sera payé en cas de dommage. Donc, il faut, il faut surveiller tout ça. Euh, il y a le problème de l'inégalité. L'inégalité, si on revient au voile d'ignorance, c'est aussi un problème du marché, une défaillance de marché. Parce que si on se met derrière le voile d'ignorance, on ne sait pas quelle va être sa place dans la société. On s'est dit, bah, je voudrais quand même ne pas être trop pauvre euh, si je n'ai pas la chance de, de faire de bonnes études ou autre. Et inversement, donc c'est une sorte d'assurance. La fiscalité est une sorte d'assurance. Donc le marché est souvent défaillant et c'est pour ça que l'État doit être très fort pour corriger les défaillances de marché. Ceci dit, l'État lui-même a beaucoup de défaillances. Et là, on entre dans cette question sur la crise financière. On entre dans la question sur euh, ce que laissent les États modernes à nos enfants. Donc sur le deuxième, on voit très bien que l'État moderne laisse à nos enfants des dettes publiques très importantes, des, des, des retraites non financées, une, une éducation en berne dans beaucoup de pays qui ne nous prépare pas du tout à l'économie digitale qu'on va avoir, euh, le réchauffement climatique, l'inégalité, le chômage. Euh, on voit très bien que... L'État, souvent, ne fonctionne pas pour le bien commun. L'État moderne, ce n'est plus un État qui fournit des emplois, un État qui produit. Au contraire, c'est un État qui définit les règles du jeu et intervient chaque fois qu'il y a une différence de marché. Et pour ça, il faut qu'il le fasse et qu'il œuvre vers le bien commun. de ilustraciones que estabas, que estabas eh, mencionando recién, eh, vayamos al tema del cambio climático, que considero que es probablemente la, la gran falla de mercado de la sociedad moderna y aquella que nos obliga a, a, a tener políticas coordinadas, es decir, no alcanza con que un país haga algo, necesitamos coordinación a nivel global. Eh, normalmente eh, lo que, lo que uno ha estado viendo en los últimos años es que la, tal vez el cambio climático por un lado y la desigualdad por el otro han sido los elementos que han estado presionando más sobre la forma en la cual decisiones políticas, sean de política económica y de política pública, se han sean estado tomando en el mundo. Y quería preguntarte un poco sobre, sobre la cuestión de instrumentos en ese sentido. Nosotros, los economistas, tenemos la idea de que uno. Para poder hacer buena política de cambio climático necesita buena economía del cambio climático, que existe la posibilidad o el peligro de que uno haga política de cambio climático con una mala economía. Para nosotros básicamente mala economía significa gastar demasiados recursos, tirar recursos o imponer restricciones al crecimiento, la innovación, etcétera. Eso es parte de lo que ha usado Estados Unidos ahora para tratar de querer escaparse del compromiso, del compromiso global. Y la pregunta que yo quería, o la reflexión más bien que quería hacer contigo, era si, si tú consideras que, los, que este instrumento es un instrumento suficiente. Es decir, ¿por qué digo esto? Porque normalmente cuando uno se enfrenta con externalidades, los economistas tratamos de mirar problemas de fallas de mercado y de externalidades, vemos que los instrumentos que nosotros proponemos, que son normalmente impuestos o precios, o subsidios o algún otro tipo de cosas, coexisten con, con regulaciones directas de tipo comando y control o regulaciones impuestas por leyes, por ejemplo, la de imponer un cierto porcentaje de energía renovable dentro de los mercados eléctricos y ejemplos abundan en ese sentido. Quisiera un poquito reflexionar contigo sobre esto porque eh, eh, veo como que hay algo ahí. Que no está del todo bien comprendido o terminado en términos de lo que las políticas públicas eh, tienen que avanzar y tienen que proceder. Uno ve mucho énfasis en una dirección y nosotros, los economistas, tratando de decir, hagamos el, el economics, la economía del asunto bien, tratemos de ser eh, justos con todos los sectores, que no sea un sector el que tenga solamente la carga y el del otro. ¿Cuál es tu reflexión? Yo creo que, que hay que por qué un problema con el climático. Et là, on voit très bien qu'on a une défaillance du marché. C'est-à-dire que quand j'émets du carbone, je ne tiens pas en compte, et finalement, les effets de mes émissions de carbone sur les autres personnes dans mon pays, mais aussi à l'étranger, et puis à l'avenir aussi. Mais il y a aussi une défaillance de l'État. C'est-à-dire que l'État ne fait pas ce qu'il faut pour combattre le réchauffement climatique. Et cette défaillance de l'État, à mon avis, vient de deux choses. La première... C'est qu'il n'y a pas un État, il y en a 196. Et donc euh, chaque État espère que c'est les autres qui vont faire l'effort, parce que c'est coûteux de, de combattre le réchauffement climatique. Et donc chaque État adopte un comportement de passager clandestin et espère que les autres vont faire l'effort. Mais évidemment, personne ne fait l'effort. L'autre chose, il faut bien le dire, nous sommes égoïstes vis-à-vis -vis des générations futures. Nous sommes trop égoïstes. Et une partie de la raison, c'est évidemment que ces générations ne votent pas. Elles ne sont même pas là pour la plupart. Et donc, euh, on a ce problème et il va falloir s'y atteler. Je dirais que le problème est essentiellement géopolitique, beaucoup plus qu'économique, parce qu'on sait, pour d'autres polluants, on a résolu le problème en, avec des instruments économiques. Et là, ça, on arrive à la question sur les instruments. Sur les instruments, on a... Euh, deux approches, il y a une approche économique qui est finalement de mettre un prix, dans le cas particulier, sur le carbone. Il y a deux façons de faire ça. Il y en a une qui est une taxe carbone, c'est-à-dire que vous payez une taxe par unité d'émission. Les économistes, il y a de l'incertitude bien sûr, mais les économistes pensent que maintenant ça devrait être entre 50 dollars et 100 dollars par tonne de carbone émise. Ça c'est une approche. L'autre approche, c'est ce qu'on appelle les droits d'émission négociables. C'est-à-dire qu'on met sur le marché une quantité de droits d'émission négociables qui correspondent à préserver une trajectoire compatible avec l'objectif des 1,5 degrés Celsius ou 2 degrés Celsius. Et puis après, il y a un prix de marché qui s'établit où les, les entreprises, par exemple, si elles émettent du carbone, il faut qu'elles aient des permis. Et si elles n'en émettent pas, elles peuvent revendre leurs permis. Et de nouveau, on a un prix unique du carbone on l'espère, global, qui permettra de résoudre les problèmes. Alors les économistes ne sont pas d'accord sur est-ce qu'on préfère une taxe carbone ou des droits d'émission négociables. Des économistes très respectables sont dans les deux camps et c'est un débat très compliqué. Donc ça c'est la première approche qui est finalement un prix du carbone. Et c'est une approche qui respecte finalement l'humilité de l'État. Parce que l'État n'a pas l'information de savoir si c'est l'entreprise A ou l'entreprise B qui devrait faire des efforts. C'est à l'entreprise de décider parce que c'est elle qui connaît sa technologie. Euh, et donc, il faut que l'État soit, pour être efficace, doit être modeste d'une certaine manière. L'État doit respecter sa contrainte informationnelle. Il ne doit pas chercher à faire des choses qu'il ne peut pas faire puisqu'il n'a pas l'information. Et ça nous amène effectivement au au deuxième type de politique, qui sont command and control, c'est-à-dire essayer d'avoir des politiques très directives sur quoi faire. Alors je ne suis pas contre toutes ces, ces politiques, il y en a certaines, on va y revenir, qui peuvent être bonnes. Mais de nouveau, il faut que l'État fasse preuve d'humilité. L'État ne sait de nouveau pas qui est plus apte à diminuer sa pollution, euh, ou au contraire la continuer, parce que ça coûte trop cher de la diminuer. Et donc, euh, les études des économistes ont montré que quand on utilisait ces, ces mécanismes de « common and control », on risquait d'augmenter euh, le coût de dépollution à objectif donné, euh, d'augmenter le coût de dépollution de, de 50%, de 100%. Enfin, ça dépend beaucoup de la façon dont c'est fait. Euh, mais ça renchérit le coût, pour les entreprises en particulier, euh, de diminuer leur pollution. Ce qui, en fait, fragilise la politique, parce que les lobbies deviennent de plus en plus fortes. Regardez, ça nous coûte très cher. Et donc, ils interviennent pour arrêter cette politique. Donc, en fait, les politiques de prix unique sont beaucoup plus simples et aussi plus efficaces, étant donné les contraintes d'information. Et je dirais la même chose pour les renouvelables. Les renouvelables, je pense que c'est l'avenir, bien sûr, et c'est très très important pour l'avenir de notre planète. Mais on les encouragerait euh, très nettement si on avait un prix de carbone et une prévision finalement sur l'évolution du prix de carbone, euh, qui est très importante, parce que ces investissements, c'est des investissements à 5, 10, 30 ans. Et donc il faut savoir non seulement quel est le prix aujourd'hui, mais quel sera le prix dans 20 ans ou 30 ans. Et c'est pour ça qu'on a des marchés à terme, souvent, pour essayer d'avoir de, 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 une prévision à peu près correcte. Et donc, rien que si on avait un prix du carbone décent, c'est-à-dire suffisamment élevé, on ferait beaucoup de progrès, y compris pour les renouvelables. On ne serait pas obligé de dire, voilà, on va corriger tel ou tel renouvelable. Parce que là, on entre dans la politique industrielle. Et de nouveau, mon thème, c'est que l'État doit être fort, mais il doit aussi faire preuve d'humilité. C'est-à-dire que l'État ne peut pas dire, bah, je pense que c'est la filière solaire qui va marcher plutôt que la filière éolienne, plutôt que l'hydrogène, plutôt que telle autre, telle autre solution. Finalement, c'est l'innovation qui va décider, c'est pas, pas l'État. Ce que peut faire l'État, c'est de donner les bonnes incitations. Et les bonnes incitations, c'est effectivement un prix du carbone. Maintenant, on en est très loin. Si on revient à la COP21 de Paris, euh, le diagnostic était le bon, mais c'est vrai qu'on n'a pas été très loin au point de vue engagement. Les engagements sont extrêmement faibles, non contraignants. Et donc, euh, ce qui n'est ce qui est très dommage finalement. On a... Alors je ne sais pas si j'aurais fait mieux en tant que négociateur, c'était extrêmement difficile euh, de négocier cette COP21. Mais c'est vrai que si on voulait avoir 196 pays comme signataires de l'accord, automatiquement on sait tout de suite que l'accord serait extrêmement faible. Parce que des pays comme l'Arabie saoudite ou le Venezuela ne veulent absolument pas d'un prix du carbone pour combattre le réchauffement climatique, parce que ça pénaliserait le pétrole. Et donc, il faut, il faut, il faut se rendre compte des, des contraintes géopolitiques. Donc, on est encore très loin de ce prix de carbone, mais il y a une conscience, euh, y compris aux États-Unis, d'ailleurs, on voit un certain nombre de municipalités et d'États qui résistent à Donald Trump. C'est quand même assez encourageant. Il y a un prix du carbone dans 40 États, 40 pays maintenant, et des, des marchés de droits d'émission négociables, tout ça. Encore trop faible, sauf en Suède mais encore trop faible mais je crois qu'on il faut que finalement qu'on qu prenne conscience du problème et pas simplement invoquer une croissance verte qui va résoudre tout le problème non il faut il faut accepter finalement de de perdre quelques points de PIB et notre planète la vaut bien Eh, eh, tal vez la, esta última parte de la, de la charla nuestra eh, girar sobre cuestiones eh, más de política o de, o de economía política como tú prefieras traer algunos temas eh, que han sido eh, normalmente discutidos tanto en macroeconomía como en microeconomía en función de eh, ciertos eh, problemas de política pública o de política económica, pero que tienen un trasfondo, eh, yo diría, político más, eh, más fuerte y más fundamental. Me refiero esencialmente al tema del populismo en, en términos generales, que es un, es un tema, es, una, es un, probablemente un término que es demasiado amplio como para poder encapsularlo, pero, pero entendámoslo como movimientos que han tratado de favorecer a amplios sectores dentro de una sociedad eh, en contra o eventualmente de lo que se consideran elites o eh, en sus variantes. Existe obviamente en ciencia política una larga tradición en el estudio de esto, pero quisiera llevarlo un poco más al plano de la, de la visión nuestra o de la visión tuya en materia de, de cómo ves hoy la, la evolución de los, de los populismos europeos. Este, que están abarcando. ¿Qué, qué, es, ¿Qué es lo que la economía eh, puede decir eh, eh, ex ante en términos de la emergencia eh, o los elementos económicos de la emergencia del populismo y ex post en términos de las consecuencias de lo que esos movimientos pueden llegar a, a generar o a tener en el, en el sistema económico? Y, y, sin, y si deberíamos estar preocupados, pero quisiera un poquito reflexionar contigo. un peu ter en termes de la génésis et l'évolution à l'effet de l'économie de ce type de, 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 de situations. Le populisme, de nos jours, existe dans pratiquement tous les pays. Ce n'est pas seulement les États-Unis, l'Angleterre, l'Argentine, la France, c'est dans tous les pays du monde. Les populistes, évidemment, jouent sur nos frustrations, selon les pays, le chômage, la dette, l'inégalité. La, les problèmes de l'euro euh, et toutes ces choses-là, une éducation en berne aussi euh, qui n'est qui pas satisfaisante, et puis aussi nos peurs, nos peurs face au réchauffement climatique dont on parlait, face aux robots évidemment, puisque les robots vont détruire beaucoup de nos, de nos emplois, euh, et beaucoup d'autres choses, est-ce que la dette va être soutenable euh, et, et ces choses-là. Donc euh, nous sommes dans un, dans un monde où effectivement les gens sont inquiets pour des raisons tout à fait légitimes. Et nous devons confronter cette situation. Les populistes sont très bons d'ailleurs à trouver des narratifs et puis à promettre des miracles. Et là, ils jouent aussi avec nos, nos, nos distorsions cognitives. Euh, J'insiste beaucoup sur, ces, sur la psychologie dans, dans le livre, euh, Économie du bien commun, où j'essaie d'expliquer, par exemple, un des problèmes auxquels on fait face, c'est que les gens croient ce qu'ils veulent croire. Donc nous voulons tous croire, évidemment, dans un avenir radieux. Euh, pensant que le, cet avenir va être, euh, par exemple, ça, ça s'applique aussi au réchauffement climatique. Mm -hmm. On veut croire que ça ne va pas être très coûteux euh, de combattre le réchauffement climatique. Et ça, c'est d'une part euh, ceux qui sont euh, climate, climate sceptiques, euh, ceux qui, qui doutent du réchauffement climatique, ou alors ceux qui, au contraire, pensent que la croissance euh, va s'accompagner finalement de va être généré même par des investissements verts. Donc, on, on est à côté de la plaque, si je puis m'exprimer ainsi, en disant que euh, finalement, ça va pas coûter. Alors qu'il faut faire un effort. Il faut vraiment faire un effort. Et ça, c'est général. En général, on se ferme les yeux dans nos comportements. D'ailleurs, c'est notre comportement de tous les jours. On, on veut pas croire que les accidents, les maladies vont arriver euh, à nous-mêmes ou à des êtres qui nous sont chers. Et parfois, on ne met pas sa ceinture de sécurité, donc on ne va pas faire les examens médicaux qui sont nécessaires. Et donc, on croit ce qu'on veut croire, et les populistes comprennent ça très bien, et finalement proposent des politiques qui sont absolument euh, totalement irréalistes, qui ne peuvent pas être mises en œuvre. Mais euh, voilà, et, et donc comment combattre ça, puisque c'est vraiment le grand sujet. Maintenant, ils sont dans tous les pays, et, et ce n'est pas seulement qu'en économie, par exemple, leur discours sur les migrants, par exemple... Euh, relèvent du même domaine de la même, de la même idée donc ils essaient de conforter les croyances de l'électorat au lieu de finalement de proposer des bonnes politiques et c'est extrêmement dangereux pour nos démocraties évidemment. Donc là il n'y a pas de solution miracle ça pose le problème de l'expert de nos jours alors parfois de leur faute mais les experts on a très peu de confiance dans beaucoup de pays dans les experts d'ailleurs, Marine Le Pen en France, les leaders du Brexit en Angleterre, et dans beaucoup de pays disent Moi je parle au peuple, je ne parle pas aux experts. Et c'est délibéré. C'est-à-dire qu'ils ne veulent absolument pas parler aux experts, parce que évidemment, s'ils avaient à parler aux experts, ils seraient en difficulté très rapidement. Donc il faut, d'une certaine manière, rétablir la confiance dans les experts. Donc c'est évidemment aux experts d'y participer, mais c'est aussi à l'opinion publique d'avoir confiance dans les experts. Et je pense que d'abord, il faut comprendre que d'abord, il, 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 il y a un consensus parmi euh, les grands spécialistes du domaine dans le monde. Je travaille sur le réchauffement climatique. Je suis incompétent pour juger de la science. Même ayant une formation d'ingénieur, ça n'empêche que je suis incompétent pour juger de la science du réchauffement climatique. Donc, qu'est-ce que je fais Là, je regarde. Quel est le consensus Alors, il n'est pas total. C'est pas 100%. Mais je regarde quel est le consensus parmi les scientifiques euh, respectables dans le domaine. Et donc, ça me donne une idée, pour moi, économiste, pour construire des politiques qui correspondent. Et je pense que c'est vrai, que ce soit en médecine, en économie, en biologie, etc. Il faut, à un moment ou à un autre, dire il faut des experts. Il y a un certain consensus chez les experts qui n'est pas parfait, qui pourra changer. On parlait tout à l'heure du consensus de Washington, qui est un bon exemple. Il peut changer au cours du temps parce qu'on apprend. Mais bon, il faut utiliser la meilleure science à un moment donné, et ça c'est tout à fait clair. Et, euh, mais parfois, les médias systématiquement mettent l'opinion d'un expert et à côté l'opinion d'un autre expert qui dit exactement le contraire. Évidemment, euh, souvent les lecteurs sont incapables de juger. Après, il y a une question de plus long terme comment, dans une population, on rétablit la confiance dans les experts qui est essentiel pour moi, pour la démocratie. Et il n'y a pas de solution parfaite, mais une des choses qu'on pourrait faire, c'est déjà au lycée initier les gens, les élèves, à la méthode scientifique. C'est pas très difficile. Mm -hmm. C'est pas très difficile. Euh, prendre des petits exemples. Prenons un exemple. La différence entre une corrélation et une causalité. Corrélation veut dire, veut dire simplement que deux variables bougent en même temps. Par exemple, le prix des chambres d'hôtel avec le taux d'occupation des chambres d'hôtel ont tendance à bouger en même temps. Mais ce n'est pas une causalité. C'est-à-dire que pour augmenter votre taux d'occupation de la chambre d'hôtel, vous n'avez pas augmenté le prix, vous allez au contraire le diminuer. C'est simplement qu'il y a des facteurs communs qui déterminent à la fois le prix des chambres d'hôtel et le taux d'occupation. C'est effectivement la demande à un moment donné. Euh, donc, des petits exemples comme ça, ça permet de distinguer entre corrélation et causalité. Et c'est un exemple typique de narratif qui est utilisé énormément par les hommes politiques, et surtout par les, les populistes. Ils prennent des corrélations, les corrélations ne veulent rien dire sur les implications de politique publique, mais immédiatement ils interprètent ça comme une causalité. Et je pourrais, et on peut enseigner ça de façon extrêmement simple au lycée. Et je dirais plus généralement la notion de science. Qu'est-ce que c'est qu'un fait Qu'est-ce que c'est qu'une théorie Mais de façon très concrète. Il ne faut pas le faire de façon abstraite. Il faut le faire de façon très concrète pour que nos pays, en fait, respectent la démarche scientifique. Et après, évidemment, il faut que les scientifiques eux-mêmes, parfois, soient plus intègres. Et on peut avoir des conflits d'intérêts qui sont basés sur des conflits d'intérêts financiers. Donc on est biaisé par des financements, par de l'argent qu'on reçoit d'entreprises ou de l'État. On peut être biaisé par des amitiés politiques. On peut être biaisé par simplement l'ambition de devenir un intellectuel public et donc euh, de briller à la télévision. Je pense qu'il faut faire très attention et il n'y a pas de solution miracle. C'est très très difficile, je pense, euh, d'éviter tous ces conflits d'intérêts. Mais il faut qu'on soit plus transparent. Et ça, je pense que récemment on est devenu un peu plus transparent mais ça ne va pas résoudre tout le problème. il faut aussi une certaine éthique personnelle à un moment ou à un autre je pense. hemos tenido el privilegio o al menos yo he tenido el privilegio de poder intercambiar estas ideas contigo y ha sido un verdadero gusto. te agradezco Muchísimo la visita a la Argentina. Sé que es tu primera visita. Espero que haya otras más más adelante. Vamos a tratar de leer con mucho cuidado y disfrutar tu libro reciente de La economía del bien común. Y espero que podamos seguir en contacto en un futuro cercano. muy feliz de participar en este diálogo transatlántico. Muchas gracias por la invitación. Fernando, muchas gracias.